la PFAB, c'est une démarche qui vise à mettre les jeunes au cœur de la construction du projet politique jeunesse de la ville. La PFAB, c'est le laboratoire, la fabrique. Le laboratoire, c'est là où on se permet de lancer toutes les idées, d'expérimenter en petits groupes, entre soi, où on commence à construire. Et la fabrique, c'est le deuxième temps. On s'appuie sur tout le travail qui a été fait dans le laboratoire pour arriver à quelque chose de plus abouti. Ça montre pas une certaine... On nous a invités à venir donc participer à ce LabFab afin de fluidifier un petit peu le rapport entre les jeunes et les moins jeunes et essayer de créer un pont entre tout le monde, essayer de créer un débat vivant, actif et de désacraliser un petit peu la mairie, de donner une autre image aussi, c'est-à-dire de pas un milieu austère réservé au col blanc, mais finalement un endroit où on peut donner son avis, où on peut s'exprimer, pour alléger le ton par moment, faire les synthèses un peu décalées et puis peut-être parfois les mettre en confiance. C'est pas un problème, ça. C'est pas un problème avec un petit minois comme ça, là, 26 ans. Grâce aux Azimuts, nous avons des liens assez privilégiés avec les associations étudiantes. Donc bien sûr, nous les avons associés à cette démarche et ils sont présents pour ce temps du FAB avec nous. Donc ce LabFab était sur 3 jours. La première journée était axée vraiment sur un débat sur la citoyenneté. Lors de cette journée-là, nous intervenions pour préparer un peu tout le monde, pour casser la glace, parce que les gens se connaissent pas forcément, et puis leur montrer un peu le ton et réchauffer un petit peu l'ambiance pour donner envie en tout cas de s'exprimer librement, sans barrière. D'imposer 2 heures de bénévolat par mois, donc ça pourrait par exemple passer par de l'accompagnement aux personnes âgées. Puis en fait on avait mis en place une sorte de conférence de presse où ils avaient fait un atelier d'écriture, où ils écrivaient les idées donc qu'ils avaient envie de présenter et ensuite ils le présentaient aux autres groupes. La journée d'aujourd'hui reflète un petit peu la volonté de la municipalité d'écouter un petit peu ce qu'on a proposé. C'est comme ça qu'on peut essayer d'élaborer des idées, des hypothèses, et qu'on peut ensuite les concrétiser. De travailler vraiment en collaboration un petit peu avec tout le monde, avec les différentes entités qui existent dans notre ville, afin de pouvoir trouver des solutions à chaque problème qui existe. C'est vrai que la ville a une volonté forte d'avoir une politique de démocratie participative volontariste, mais c'est vrai que les jeunes n'y participent pas. Donc c'était important pour moi qu'on ait, au cours de ce LabFab, une vraie réflexion avec les jeunes sur comment organiser la démocratie participative pour qu'ils y trouvent leur place. On ne peut pas construire une politique publique en ignorant 32% des citoyens qui sont concernés. Donc c'est important, il faut qu'on arrive à trouver leur place. Les LabFab qui ont eu lieu aujourd'hui sont vraiment très intéressants dans la mesure où on peut parler de la politique rouennaise du coup. La jeunesse aujourd'hui est représentée par un ensemble de communautés. Et l'idéal pour qu'on puisse avancer tous ensemble, c'est vraiment de travailler sur les différentes problématiques ensemble, justement. Après, il y a 4 thématiques que nous allons développer, qui sont l'accès au travail, c'est-à-dire l'insertion professionnelle, la formation, le cadre de vie, la bonne façon pour les rapprocher de l'information. Comment, quand j'ai besoin d'une information donnée dans mon parcours, je vais pouvoir être mis en relation avec le bon acteur. Et puis, un sujet aussi autour de l'accès temps libre, c'est-à-dire la pratique sportive, la pratique culturelle, les loisirs, les vacances. Des étudiants engagés dans une vie associative et de leurs potes. Ça n'impacte pas la vie étudiante. D'accord. Alors, au Musée des Beaux-Arts, pendant ce temps-là, Julien, un autre collaborateur d'Acide Caustique, est en train, lui, d'animer un débat. Les jeunes vont se mettre à la place du maire, en fait. Donc voilà, on faisait un débat où chaque groupe proposait ses idées sur la vie nocturne. Les faux candidats, en gros, avec la réaction du public, revenaient un petit peu sur leurs idées ou les modifiaient. Oui, bien sûr. Le problème, c'est pas les jeunes qui font du bruit, c'est le fonctionnement aujourd'hui de cette vie nocturne. Le but, en tout cas, c'était que la parole puisse se libérer assez facilement, simplement. Plutôt que d'être soit, moi je pense que, nanani, nana, en jouant un personnage, on y va, on se lâche plus facilement. Mais en tout cas, les idées sont dites et débattues, quoi. Ça permettait aussi aux étudiants et aux jeunes en général de ne pas avoir peur de s'exprimer et de dire ce que dans le fond en fait ils pouvaient penser. Et je trouvais ça assez intéressant. Chaque jeune en fait a vocation à devenir quelque chose, à faire quelque chose, à devenir quelqu'un. Et je pense que la mairie en fait devrait permettre à tous ces jeunes de réussir dans leur vie et réussir leur projet.
Et c'était vraiment très important pour nous de trouver la bonne forme aussi, à la fois la bonne forme pour rentrer en contact. Donc c'est vrai qu'on a fait aussi une campagne sur les réseaux sociaux, hein, qui a été fait par exemple devant les lycées avec des campagnes de tweets. Voilà, nous avons à la fois dans l'information essayé de travailler avec les nouveaux outils informatiques qu'utilisent les jeunes, et à la fois en nous appuyant sur notre réseau de partenaires. J'ai participé à SlapFab dans le but de que ce soit un complément à mes études et pouvoir redécouvrir ma ville, redécouvrir comment elle marche, comment je peux l'améliorer. Alors pour moi, être un jeune citoyen actif, c'est-à-dire participer à une ville, être présent dans la ville, la comprendre et ainsi pouvoir trouver des solutions pour cette ville. Donc le grand point fort pour moi du LabFab, c'est vraiment de pouvoir réunir des jeunes d'univers et de milieux complètement différents et qu'ils puissent débattre ensemble sur des sujets qui nous touchent tous. Et j'ai trouvé ce temps d'échange très intéressant parce que ça nous a permis de réfléchir tous ensemble. Et je pense qu'il faut continuer à faire appel aux jeunes et à entendre leurs avis pour améliorer pas seulement la vie nocturne, mais la vie en général à Rouen pour les jeunes et pour que perdure la jeunesse. Mais le LabFab, c'est une démarche qui se veut dans la durée. Hein, c'est-à-dire qu'après ce temps de fab, il y aura très certainement, à mon sens, de nouveaux temps de lab et à nouveau de fab. C'est-à-dire que c'est une démarche de dialogue entre la ville et les jeunes citoyens de Rouen que nous souhaitons concevoir vraiment dans la durée.